الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب مقام أعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، معكم في هذه اللحظات الطيبة، كما قلنا كيكون جمعة آية وجمعة حديث. On avait dit par rapport au dars, au cours avant le prêche du vendredi. Un vendredi, on fait l'exégèse d'un verset coranique à travers Tafsir al-Ma'thur. Notamment, on a choisi deux tafsir, Tafsir Qurtubi, Ahkam al-Qur'an, et Tafsir Ibn Ajiba, Bahr al-Madid, Tafsir al-Majid. Et un vendredi, hadith. Et aujourd'hui, c'est ta hadith qu'on va aborder ensemble, Inch'Allah al-Rahim. Matnan wa sanadan. Donc, on fait l'étude de la chaîne de transmission et ce qu'on appelle sanad et du contenu, ce qu'on appelle matn. Et on a dit que la science du hadith est une science précieuse puisqu'il s'agit d'une révélation aussi. Allah nous dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Il ne prononce rien par rapport à sa passion ou de sa passion. Mais il s'agit là d'une révélation. Si et seulement si, bien sûr, le hadith est authentifié. Et avec les modalités d'usage, le statut du hadith, est-ce qu'il est abrogé, abrogeant, spécifique, muqayyad, mutlaq, absolu, etc., etc. Donc on avait étudié ensemble dans cette science magnifique et précieuse qui est la science du hadith. Ilmul hadith. Bien. Hadith ul-yom, ikhwati l'iman. من رواية الصحابي الجليل اللي هو من العباد إلى الأربعة وكنا شفنا شكون هما العباد إلى الأربعة سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحبه وصلها. أعيد، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري في صحيح واللفظ له. Je traduis un hadith très important rapporté dans l'authentique de Bukhari. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui fait partie des quatre grands Abdullah, grands savants des compagnons, on les appelle les quatre Abdullah, on l'avait déjà dit, parce qu'ils ont survécu jusqu'à ce qu'on puisse avoir besoin de leur science. Abdullah ibn Amr ibn al-As est un jeune auprès du prophète, alayhi sallam, qui fut donc un grand savant, un grand faqih, parmi les fuqaha des compagnons. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, il nous rapporte que le prophète, alayhi sallam, a dit, par rapport à Salah Sarrahim, par rapport au fait de renouer les liens de sang, et on va voir ce que c'est. Celui qui renoue les liens de sang n'est pas celui qui rend par l'appareil. Non. C'est celui que, quand on rend, quand il y a rupture, quand il est face à une rupture, quand on rend son rahim, eh bien lui, il va renouer quand même. Il ne rend pas par l'appareil. Apporté par Al-Bukhari. إخوة الإيمان كنا تكلمنا على صلة الرحيم وأنها من الأركان المعاملة ذات الدين الحنيف. أركان آية الله واضحة وسنة الحبيب المصطفى الصحيحة الصريحة واضحة. Donc on avait dit déjà en guise d'introduction que la question de صلة الرحيم, renouer les liens de sang, est une question primordiale dans notre religion. C'est un pilier comportemental fondamental dans notre religion. Au point que la yadkhulul jannata qati'u rahim, n'entre pas au paradis celui qui a, hein, qui fait la rupture des liens de sang. Au point que Allah l'a appelé rahim, ishtaqa hadha al-ism min ismihi ar-rahman. Rahim, c'est une dérivée de son nom ar-rahman, le miséricordieux. Faman wasalaha wasiltuh rahim min ar-rahman. Très important.
Vous voyez la grande importance de renouer les liens de sang. Et les liens de sang, c'est quoi? C'est d'abord évidemment vos deux géniteurs, vos deux parents. Et puis tous celles et ceux qui ont un lien de sang avec vos deux parents. Hein? Les grands-pères, les grands-mères, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, etc. Rahim. Rahim, Ishmaelou, Kullum Lahu, Alaqa Damawiya, Nasabiya, Ma Walidik. Ou il peut être le plus prioritaire, le Walidain. Le plus prioritaire, ce sont évidemment les parents, on en a déjà parlé, la Birr Walidain et la Khilim. Tiens. Ou le Hajjaf al Hadith, on a Rasoul Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, qui a dit le Ma'naz Sila Sarrahi. Et كثير من الناس كيعتقد وتيجيو هما وتعيطو هما وتسنا ما يعيطو وتايصلو هما عاد انا نمشي ديك الساعات ها النبي عليه الصلاه والسلام بغى يوضح هذا المبدا هذه القيمه العظيمه اللي كتسمى صله الرحم واش غالطين عاد تسنا تايجي وما لقناش شي كيتسنى شي ما يكون لا صله الرحم تولي قطيعه شي ما يعرف شي ولا دونك Notre prophète alayhi salam, a voulu ici corriger quelque chose qui, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, elle est mal comprise par les personnes concernées, par le mukallafin. Certains vous diront, quand tu leur dis, c'est les vacances, tu as le temps, va visiter ta famille. Oui, mais eux, ils n'appellent pas, eux, ils ne demandent pas après moi, donc ça ne sert à rien. Le prophète, alayhi salam, ici te répond, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari, dit, le wasil, c'est pas le mukafi, c'est pas celui qui rentre par l'appareil. Quand ils vont visiter, quand ils vont appeler, quand ils vont demander après moi, à ce moment-là, je vais répondre et je vais aller les voir et je vais répondre par l'appareil. Non. Laysa al-wasilu bil mukafi. Laysa al-wasilu bil mukafi. Hada ghir mukafi, hada ghir dar swab kima yqulu. Celui qui renoue ses liens de sang, ce n'est pas celui qui rend par l'appareil. Parce qu'ils ont visité, parce qu'ils ont demandé après moi, je vais alors les visiter et répondre par l'appareil. Non. Le prophète, alayhi salam, il a dit Al-wasil ladhi idha quti'at rahimuhu. Wa sala. Il faut arriver à ce niveau. Même si lui, il n'appelle pas, même si lui, il ne demande jamais. Même si lui, il va même au-delà de ne pas demander. Il dit, tu m'appelles jamais. Non. Toi, tu fais ça pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu vas prendre sur toi. Tu vas travailler sur toi-même. Et tu vas visiter. Tu vas renouer tes liens de sang. Parce que tu les fais pour Allah. Tu veux ce qui est chez Allah. Tu ne vas pas faire les mauvais calculs que certains font. Non. Du au-delà de ces calculs. قطعت رحمه وصلا. Et ça rejoint le dars qu'on a dit ici sur les quatre niveaux de réponse au mal. Vous vous rappelez des quatre niveaux? شنو قلنا المستوى الاول؟ ها؟ الايه، اش كتقول لك الايه؟ حفظوها. وجزاء سيئه سيئه مثلها. زيد كمل المستوى الثاني شنو هو؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله. زيد المستوى الثالث شنو هو؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك للناس شو المستوى الرابع ادفع بالتي هي احسن فاذ الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم والقاء الذين صبروا والقاء الذين حط عظيم اربعه المستويات شوف انت فين بغيتي تكون 4 niveaux de réponse au mal à la provocation etc premier niveau tu réponds au mal par le mal deuxième niveau tu pardonnes troisième niveau tu réponds au mal par le bien. Quatrième et dernier niveau, c'est le niveau des Ouliya Allah, de ceux qui ont fait ce travail sur eux-mêmes. Tu réponds au mal, non pas seulement par le bien, mais par ce qu'il y a de plus beau. Mais s'il y a Ahsan. Ça, c'est les intelligents, c'est les gens qui ont tout compris. Ils ne sont pas dans le commerce. Hadib, hadib. Ils ta'alum Allah, subhanahu wa ta'ala. Muhsinoun, hadou. Inna Allah la yadou'a uzra al-muhsinin. Donc ça rejoint ce... وإما يؤيد هذا الحديث ما رواه ابن حبان في صحيحه وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة. اسمعوا معي هذا الحديث وتأملوا فيه. راجل جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله كيشكي له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. المل شنو هو؟ المل هو الرماد الحار، الرماد اللي حار، هو تشبيه لما يلحق بهذا الناس من الإثم، من الإثم، من هذه المعاملة ديال الجفاء اللي كيتعاملوا معاك بحال اللي كتوكلهم. الرماد الحار اللي شاعله فيه العافية، لأنك أنت ماشي بحالهم، هما يسيئون وأنت تحسين، هما يجهلون وأنت تحلم، هما يقطعون وأنت تصيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا يزال شكون معك من الله، من عند الله ظهير عليهم، أي معين لك عليهم ودافع عنك أذاهم ما دمت على ما ذكرت من إحسانك إليهم وضلهم على إساءتهم إليك. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفعل وأيده على هذه المعاملة بالحسنة اللي صابر عليها الصبر. دونك ici il y a un autre hadith qui va dans le même sens de ce qu'on vient de dire, qui est rapporté à la fois par Ibn Hibban dans son authentique et par Muslim dans son authentique. Et cette fois, le rawi, le compagnon qui nous rapporte, c'est Abu Huraira. Il nous dit, un jour, un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il se plaint à lui en lui disant, j'ai de la famille, des proches, je les visite, je renoue mes liens de sang avec eux, et ils ne veulent que couper. Ils coupent. Non, non, on ne veut pas de toi, etc. Je suis bienfaisant envers eux. Je leur rends des services. Et eux, ils me font du mal. Et je patiente. Je patiente, je fais preuve de beaucoup de patience avec eux. Et eux, ils sont tout le temps en colère pour un oui ou pour un non. Le prophète, alayhi salam, lui dit, si tu dis vrai, si c'est vraiment ça ton attitude envers le mal qu'ils te font, alors sache, c'est comme si tu leur donnais à manger les cendres chaudes. C'est une parabole pour dire c'est par rapport à ce mauvais comportement, à cette mauvaise attitude qu'ils ont envers toi, eh bien, ils sont en train d'accumuler des mauvaises actions. Si'at. Et le prophète a ajoute, et Allah te soutient dans ta démarche, tant que tu es comme ça, tant que tu es comme ça. Allah te bénit, et on avait déjà parlé des bénédictions de Silat al-Rahim. C'est-à-dire la baraka dans la vie, la bénédiction dans ta vie, la bénédiction dans ton reste, dans ta subsistance, etc. etc. Déjà, vous l'avez déjà vu, alhamdoulilah. Idan, الرحيم إخوة الإيمان في هذا الحديث واضح أنه هذاك اللي يقول لك وأنا تاي تاي جي وعد أكثر منه. هذاك اللي يقول لك وراهم ما كيبغيوش مني كمشي عندهم ما كيستقبلونيش ولا هذا ولا هل جواب النبي عليه الصلاة والسلام بغانا نكونوا فوق حتى كتصلي وكتعرف بينك وبين الله وباغي ما عند الله، باغي التجارة التي لنتابور وكذا كذا، خصك تعالى على هذا الرد بالمثل. هذا هو الثمار ديال الصلاة ديالك والإيمان ديالك. خصك دائما في ماذا؟ في جهاد داخلي، جهاد النفس، جهاد أكبر. وإلا ما يعني تكون بحالك بحال الرعاة، تكون بحالك بحال الناس اللي ما شنو ما الفرق بينك وعلاج بماذا تفيدك صلاتك وعبادتك ونيتك في القرب من الله إذا ما كنت شيء في هذا الجهاد الأكبر. دونك جو ديزي
Le croyant et la croyante sont différents, comme vous venez de l'entendre, sont différents des autres. Ils ne peuvent pas dire, ah ben non, il n'a pas appelé, donc j'appelle pas. Ou quand je vais les voir, ils font la tête, ils ne sont pas bien avec moi, donc moi je ne vais pas les voir. Non. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu t'es engagé dans une voie de sanctification, dans la voie d'amélioration de ton comportement, dans la voie de la spiritualité, dans la voie de la recherche de l'excellence, dans la voie de la proximité. Tant que tu fais la prière, tant que tu es... Il y a des fruits de cette prière. Il y a des fruits de ce jouboua. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas dire oui, mais non, non, mais j'attends qu'il visite d'abord. Non. Vous venez d'entendre ce que le prophète a répondu à cet homme. Tu dois donc t'élever avec ce grand jihad, ce grand effort persévérant que tu fais contre ton âme charnelle, contre tes instincts bestiaux, contre ton instinct de vengeance, contre tes calculs faux et fallacieux et petits. Tu dois te dire, il y a mieux comme comportement. Et ça, c'est... J'ai fait exprès de mentionner ce hadith, ces deux hadiths aujourd'hui, parce qu'on va accueillir, on a accueilli pour un certain nombre de personnes déjà les grandes vacances. Et c'est un moment précieux pour profiter et aller visiter la famille. Faire ce grand pilier, accomplir ce grand pilier de l'islam, qui est Salat al-Rahim. Très important. Même si c'est difficile pour certains, même si c'est douloureux pour d'autres, même si ça va, entre guillemets, pas être, voilà, au niveau des finances, pas confortable, mais sache que ce que tu demandes, il est précieux. C'est le paradis. C'est la vision d'Allah. Donc, quand tu sais ce que tu veux, quand on aime, on compte pas. Oh là là. Quand on aime, on compte pas. Si tu sais vraiment ce que tu veux et tu veux vraiment satisfaire ton Seigneur et tu veux l'amour de ton Seigneur, Allah, subhanahu wa ta'ala, toutes les difficultés, se dissipe devant ce but suprême, qui est accomplir ce pilier fondamental de renouer tes liens de sang. Tout le monde se dit, c'est légitime. Il n'y a pas de salat al-Rahim. Je ne sais pas si c'est salat al-Rahim. Il n'y a pas de salat al-Rahim. Mais je ne sais pas si c'est salat al-Rahim. Le salat al-Rahim est l'aqrabin. Il est le salat al-Rahim. 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 Il est le ويدخل في ذلك زيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم ومساعدة المحتاج منهم والسعي في مصالحهم. قال الإمام نووي رحمة الله عليه: صلة الرحيم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقطيعة الرحيم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، بل هي الإساءة إليهم. Donc pour résumer, vous allez dire oui, mais comment je fais ce pilier fondamental, comment il est accompli? Il y a évidemment un minimum. Les savants ont laissé la porte ouverte à votre générosité dans l'accomplissement de ce pilier. Kulluma fil orf, tout ce qui est dans les convenances des gens comme étant le fait de renouer les liens de sang, c'est de l'accepter. Il n'y a pas une façon ou une autre. Il y a une façon minimale. Le minimum, c'est au moins, de façon fréquente, demander auprès d'eux. Ça peut être par un téléphone. Ça peut être par le WhatsApp. Vous voyez, c'est gratuit. Allô, ça va, tout va bien, salam alaikum, alors, vous avez besoin de quelque chose, etc. C'est un minimum. Le mieux, c'est voilà, c'est faire l'effort d'aller les visiter, leur ramener des cadeaux, avoir de leurs nouvelles pour savoir qui a besoin de quoi, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, de service, etc. Dans la limite de notre possible, évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. La yukillifullahu sallam ma'ata. Et là encore, je parle à mes frères et sœurs convertis, si les parents ne sont pas musulmans, si les proches parents ne sont pas musulmans, ils sont aussi concernés par cela. Attention. Attention. Comprenez? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans, ça y est, je m'en fous, je ne vais pas les visiter. Non. Au contraire.
quand tu vas faire preuve de bienfaisance et de bienveillance vis-à-vis de tes parents non musulmans, ça va les inciter, inshallah, à se rapprocher de cette belle religion. D'accord? Donc tu vas, alhamdoulilah, avoir un grand mérite. En plus de cela, tu vas peut-être avoir un mérite de la da'wah. Par le comportement, par le bon comportement. Donc attention. Il y a toujours des. À chaque règle, il y a des exceptions. Là, je vous ai mentionné la règle. Vous la connaissez maintenant, mais il y a toujours des exceptions. Et les exceptions, c'est au cas par cas. Dans le Coran, il y a déjà le mention de ces exceptions. Par exemple, c'est d'Ibrahim. وَاَعْتَزِلُكُمْ زِيدْ وَمَسْدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي أَسَأَ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. إِذَنْ اَعْتَزَلَهُمْ لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُمْ هُمَا ضَرُّوا بِهِ. ها؟ كانوا أعداء. ما خلاوش يعبد في خاطره وضروا به. دونك لو كاد سيدنا إبراهيم افيك سون بيغ آزر. تو دابور إلا إيسيي دو رونوي افيك لو. Il a été très bienfaisant avec lui, mais son père a voulu le nuire, a voulu le en découdre avec lui. D'accord? Il a arjoumannaka, je te lapiderai, il a dit. Ma journée malia. Et donc c'est pour ça que Sidna Ibrahim s'est retiré. Mais si Sidna Ibrahim n'était pas un ennemi d'Allah, si, le père de Sidna Ibrahim n'était pas un ennemi d'Allah, et il n'y avait pas cette nuisance, ce préjudice, Sidna Ibrahim aurait continué à renouer. D'accord? Sidna Ibrahim, qu'elle est Umma. Pourquoi je mentionne Sidna Ibrahim? Parce qu'il était, selon le Coran, Umma, à lui-même. Inna Ibrahim, qu'elle est Ummatan, qanita lillahi hanif. L'ayat. Donc, Hazar était l'ennemi d'Allah. Sidna Ibrahim s'est retiré parce qu'il y avait le mal. Pareil avec le fils ingrat de. Sidna jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a demandé de rejoindre l'arche. Hein? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa min rahim. Shnu qal Rabbi? Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu fi riwayat Hafs 'amila ghayra salih, fi riwayat Warsh 'amalun ghayra salih. Pareil. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط قربا ولكن كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما خيانة خانتهما. Il y a toujours des exceptions et les exceptions sont à regarder au cas par cas. Mais la règle, effectivement, comme on a dit, c'est même si ces gens-là de ta famille ne sont pas bienveillants, te font du mal, rampent avec toi, toi, Silat al-Rahim, tu ne dois pas couper. Toi, tu dois continuer. Tu dois faire l'effort sur toi-même pour aller les visiter, pour aller demander auprès d'eux, pour leur faire le bien comme tu peux, pour être à leur service, pour etc., etc. Et même la zakat, et on va en parler tout de suite, zakat fil muqarrabin, sadaqatun wa sila. Sadaqatun wa sila. La zakat, quand tu la donnes aux proches, tu as la double récompense. Quand on parle ici des proches, on parle des proches qui ne sont pas à ta charge. Parce que les proches qui sont à ta charge, tu as l'obligation de les prendre en charge. Qiwama. Pal zouja, pal abna. Même kish tatayum zakalina. Katkombeo. Mais les proches qui ne sont pas à ta charge, quand tu leur donnes la zakat, ils sont pauvres et que tu leur donnes la zakat, bien sûr, il y a des conditions pour donner la zakat. Il y a les huit catégories. Quand ils font partie des huit catégories à qui on donne la zakat et que tu leur donnes la zakat, qu'est-ce qui se passe? Tu as une double récompense. La récompense de la zakat, de la sadaqa, de l'aumône, et la récompense de renouer le lien de sang qui est énorme. Sadaqatun wasila. Wa li hada nstaghlu hada l'ftara ssifiya bach n'idu n'adhar fad rukl asas rukl mu'amalati diyal wasila rahim. باش ما ندموش غدا يوم القيامة لا يدخلوها قطيع رحم. دونك اون بروفيترا ان شاء الله دو سي مومون دو روبو دو تون ليبر دو فاكونس بور ان سارتان نومبر ان غران نومبر دو نو فرير اي سور بور ان شاء الله فير نوتر اكزامان دو كونسيونس نوتامون بور سو بوان اسونسييل كومبورتمونتال سو بيليي كومبورتمونتال كي لو فيت دو رونوي لي ليان دو سون
Et donc, on fera l'effort pour aller visiter, prendre des nouvelles, rendre service, inch'Allah, à nos familles proches et lointaines. D'accord? Très important. Donc, inch'Allah, on s'engage à cela. On s'engage à cela. On sort de cette mosquée de ce vendredi avec cette niya, cette intention, inch'Allah, de renouer, de réconcilier, de faire ce qu'on peut pour que, inch'Allah, les liens de sang ne soient jamais coupés, bi'idnillah. والله تبارك وتعالى كيجزي كل واحد على حساب العمل ديالو، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اذا هذا ما جاد الله تبارك وتعالى به علينا في هذه الحضره. وغادي ندوزو للاسئله المتعلقه بشهر محرم الحرام وعاشوراء والزكاه الى اخره، اللي هي الاسئله اللي جاتنا في هذا اليوم السعيد.